La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et notre temps vivre bien, vivre mieux vous présente Marque-Page. Bonjour et bienvenue dans Marque-Page, histoire de petite fille, et le livre dont nous allons vous parler aujourd'hui en compagnie de Christina Buemi de Pays Libre. Bonjour, Christina. Bonjour. Il s'agit d'une petite fille, mais pas vraiment en fait, c'est une ado. Exactement. C'est une ado qui a une quinzaine d'années et qui fait énormément de bêtises, donc une petite fille pas sage du tout. Elle vole, elle ment, elle manipule les gens. Ouais, elle fait vraiment tout un tas de choses qui font qu'elle va vouloir avoir un destin, n'importe lequel, ce qui va l'amener de son bled paumé qu'elle déteste, qu'elle méprise et qu'elle veut absolument fuir. Elle va arriver à Los Angeles, en fait. Et là-bas, elle va faire toutes les boîtes de production de films X. Et avant d'arriver enfin à approcher un producteur, bah, pour approcher ce producteur, en fait, parce qu'il faut absolument avoir un rendez-vous, etc. Donc elle va l'attendre toute la journée devant les bureaux de la production, et quand il sort, enfin, elle l'aborde. Lui, il tombe sous le charme, hein, malgré son jeune âge. D'ailleurs, elle lui fait croire qu'elle est majeure. Et bah, suite à ça, ils vont signer un contrat, elle va tourner des films. Et bah, dans le livre, on a des détails très, très crus à ce sujet. Alors, c'est vrai que c'est un peu délicat, parce que la jeune fille est très très jeune, quoi. Par contre, l'écriture est vraiment géniale. Ouais. C'est un jeune auteur en plus. Voilà, le jeune auteur Sacha Sperling, il a 25 ans, il en a son quatrième roman et il écrit magnifiquement bien. C'est vraiment un vrai plaisir de lire ça, quoi. Enfin... Merci beaucoup. Vous l'aurez compris, un destin un peu particulier, mais quand on s'accroche à ce livre, on ne peut pas vraiment lâcher. C'est bien une raison pour se rendre chez son libraire pour l'acquérir. Marque-Page, c'est terminé pour l'instant. Mais nous reviendrons bien entendu avec d'autres destins, d'autres livres. Vous les racontez ici, dans ce salon. La Fondation Payot pour la promotion de la lecture, Payot et Notre Temps Vivre Bien, Vivre Mieux vous ont présenté Marque-Page.